Hey, salut les amis ciotadins, amis ciotadins et amis d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, les travaux du Port Vieux avancent à grands pas. Et bonne nouvelle, dès jeudi 31 janvier, nous allons pouvoir circuler ici même. Voilà, voilà, nous allons laisser la parole à Stéphane Luzé, directeur général des services techniques, afin d'en savoir un petit peu plus sur le calendrier de l'avancement des travaux. Nous sommes là ici sur le Port Vieux pour faire un état d'avancement des travaux, de réfection de l'espace public. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous en sommes à la pose des pierres sur l'espace piétonnier, mais également des pierres en granit sur les espaces voiries, sachant que le tronçon situé entre la montée consulaire et l'office du tourisme sera le premier espace voirie qui sera restitué à la circulation. Ensuite viendront les espaces entre l'église et le baromètre pour une restitution vers le 15 mars, tout comme l'espace de l'escalier qui sera lui aussi restitué le 15 mars. Alors les délais du chantier sont effectivement respectés pour l'espace du pied de façade jusqu'à la voirie définitive. Et ensuite, le chantier bascule de la voirie définitive jusqu'à la pierre de quai pour une fin de travaux prévue fin juin, comme annoncé. Ah oui, au fait, je ne vous avais pas dit, mais l'accès à la rue Maréchal Foch va être rendu aux véhicules concernés. Voilà.